Libéré de l'emprise du ver des sables géants, Amadeus, Pontius et Zoya se mirent à réfléchir à la suite de leur aventure. Continuons. Nous devons retrouver Margaret au plus vite. Qui sait ce qu'il lui inflige ? Amadeus n'osait imaginer quel sort les gobelins avaient réservé à sa femme. Et en l'absence du Train, ils devraient retrouver Margaret eux-mêmes. Et hey, yo tout le monde, c'est Godefonso aujourd'hui sur Train. Ça fait longtemps, voilà, j'avais un peu lâché le jeu entre guillemets. Il va juste falloir qu'on se réhabitue, hein, c'est tout. Hop, du coup, je reprends vite fait les petites touches en main. Hop, l'archère, elle est là, sous le grappin là. Lui, il fait ça. C'est comme ça qu'on attrape. C'est H, je crois, pour casser. C'est ça, je reprends rapidement les trucs en main. Hop, et lui, bon, voilà, psycho-classique. Et comment on fait? C'est comme ça. Pieu. Et comme ça. Ok. Ben, nickel. Ok, du coup, je pense que ça va être le dernier épisode. Je ne garantis rien, mais c'est très probable. C'est plus que très probable, puisque il y avait 4, je crois que c'était en 4 parties le DLC, et je crois qu'on est déjà au 4ème épisode. Alors, c'est quoi ce truc là? Je dois pouvoir l'attraper, ou c'est juste un item? D'accord, bon, on avance en mode CRS. Hein. Flying Workshop. Regardez le panneau. Si on pouvait voler, on pourrait rejoindre les îles suspendues. Mais il faut qu'on retrouve Margaret, ou ils la tueront. Ah, ils ont dit si on pourrait. Je trouve ça, c'est un scandale. Voler sans elle ou sans magie, ce n'est pas naturel. Bah oui, je veux pas ce que tu... Je comprends pas. Comment tu peux voler autrement que sans elle ou sans magie? Ah, ils ont dit si je pourrais. Ew. Oh là, on a des dragons. Alors, c'est vrai que je peux lui changer de flèche elle aussi. D'accord. Ok. Super. Alors, je vais essayer de monter là-haut. Ok. Alors là, on a une rivière qui passe. Est-ce que... On va essayer le truc de tout bête là-bas avec le magicien. Du coup, j'ai un peu perdu les mécaniques du jeu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas touché. Ça, j'aurais dû regarder avant de... Avant de démarrer le jeu. Oui, ouais, tout bêtement. Hein. Ok. Je me souviens qu'il allait se passer un truc. Et là, il y a une espèce de grotte. D'accord. Super. Qu'est-ce qui se passe en dessous là? Ok. J'ai grave peur. Je ne comprends pas ce qui se passe en dessous. Alors, là il y a un truc. C'est une espèce de chaîne. En dessous, je pense que c'est un truc genre je gèle. Point. Il y a une chaîne. Qu'est-ce que je peux en faire à cette chaîne? Est-ce qu'on l'a entendu tomber? Je crois qu'on l'a entendu tomber. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est peut-être un peu violent. Alors, parfois j'ai des prises qui apparaissent comme ça. Ah bah là. Ça c'est une roue, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, le truc avec ce genre de roue, c'est de les faire tourner assez vite. Comme ça, on a un petit peu de marge. On rajoute un petit peu de puissance. Et on tombe pas dans l'eau, sinon ça ne sert plus à rien. Voilà, ce que j'ai fait à servir. Alors, on va aller voir au fond de l'eau en fait.
Oula, ça a piqué un peu les yeux, la couleur et tout. Alors. Ok. Je vais y arriver. On va pas changer les bonnes habitudes, je pense. Parce que j'ai gardé tous mes réflexes. En plus, je peux en faire 4, c'est vrai. J'avais dû m'arrêter à 4, mais... Ok. D'accord. Super. Alors. Est-ce que ça, parce que je vois que ça actionne un rouage. Est-ce que le fait de bloquer, ça fait quelque chose ou pas? Bon. Ok. Et ça. À part tout casser. C'est un très bon début, hein. Alors là, il y a un petit bout. Oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait, ce truc, à part... À part au rien, en fait. Oh, attendez, j'ai peut-être une idée. Il faut que j'arrive à... Je sais pas. Alors bon, mon idée, c'est de casser ça comme ça, mais apparemment, ça marche pas. Je sens qu'il va être chaud. Cette partie-là du DLC... Alors j'ai envie de retourner en arrière maintenant qu'on a un checkpoint ici, on s'en fout. Alors. Alors ici on meurt, mais là il y a un truc qui est cassé. Donc on va réessayer un truc. Est-ce que lui peut faire quelque chose ou pas comme ça? Alors... Les maillons peuvent pas se péter ou se... Dedans. Comment j'ai fait pour aller en face tout à l'heure comme ça? Je pense que le chevalier c'est le mieux en le préparant comme ça. Ah, j'ai mal géré mon coup. On va recommencer. Il faut que je fasse assez attention parce que vu qu'il y a le dragon. Ok. Que j'ai un bon truc là à faire, mais c'est très chaud. Go. Tape. Ouais, non, il veut pas. Il veut pas. Alors, il est où lui? Il me saoule pas. Bon, on va pouvoir être débarrassé de ça. Peut-être que j'ai mal exploré sous l'eau, vu que c'est juste en dessous. Peut-être que... Bon, déjà, toi... Bon, ça, j'ai bien vu, ça. Le truc, c'est que je peux pas le casser sans... Par magie, quoi. C'est ça que je veux dire. Hop. C'est chaud à arrêter.
J'arrive pas. J'ai l'idée sous l'eau, mais je suis pas sûr que je puisse manipuler sous l'eau. Ah, je crois que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ouais, nickel. Va. Alors, maintenant, il s'agit de monter sur ce bidule. Ouais, non, mais je suis nul aussi. Je sais pas si la roue a vraiment une incidence sur le truc. Ok, donc ça on peut. Super. Le cheveu ne sert à rien du coup. Est-ce que à part jouer au petit poisson, est-ce que je peux monter là-dessus ou pas? Ok, ça fonctionne. Okay. En fait j'avais juste à faire comme ça. Tout va bien. Voilà, on galère tellement depuis 12 minutes. Alors, ça je connais. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? C'est une bombe. C'est carrément une bombe. Ça, ça fait pop une bombe, ok. Ça va activer un mob. Mince, la porte est bloquée. D'où vient ce grondement? Ah, ce n'est pas votre ventre? Bien caché. Je ne l'avais pas vu. Oh, il est stylé. Il est assis. Viens là, monsieur. Oups. Wait. C'est abusé, là. Aïe. Non, mais... Faut que j'atteigne ce truc. Mange ça. Alors, j'imagine que faut lui faire manger une. J'imagine qu'il va falloir lui faire manger une bombe à un moment ou à un autre. Parce que genre, il m'attrape, je suis mort. C'est abusé, genre vraiment. Je pense qu'avec lui on peut se débrouiller pas mal. Ouais, bon. Je pense que mes flèches de glace sont mieux, en plus j'en tire deux. Bon, c'est complètement épique qu'on ait fait, je crois. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Alors. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Du coup, les bombes, ça va sûrement le détruire à un moment ou à un autre. Peut-être lui faire manger, je sais pas. Alors, avant de m'attaquer à ça, on va retourner vite fait là-dessus. Voilà, histoire de... Je préfère avoir le paladin, là, dès qu'on se déplace. Alors... Ça fait quoi, ce truc? Ça soulève ça. Et là, ça se défait. Je suppose que celui-là active ce truc. Ok, et pourquoi on a besoin de monter? Ah, pour monter là-haut, d'accord. Je
suppose que le bloc est là pour ça, mais... Quand même un petit quelque chose derrière, quoi. Et bah c'est très chaud ces trucs là. Mais je me suis bien débrouillé, je suis vraiment trop fort. Ok, alors là on nous souffle du vent dans la tête. Super, on est content. Hop, voilà. Il y a un truc qui est cassé apparemment. C'est quoi? C'est une entrée? Ah oui, apparemment il y a une entrée. Ok, bon. Comment monter? Est-ce que... Ah, t'as une idée. Ça, je peux m'en servir ou pas pour faire autre chose? Genre là ça fait quoi? Avant de me pousser moi. Ah bah si, je vais pouvoir faire un truc comme ça. Alors oui, c'est un peu l'idée. Avec peut-être une plaque en dessous. On va recommencer avec une plus grande plaque. Ça marche beaucoup mieux. J'ai vraiment fait une... Enfin, une plaque aussi petite. C'est ridicule. À première vue ça glisse. Ok. Voilà, combat très épique. Alors j'espère que ce truc ne s'arrête pas. Hein ? D'accord. À défaut de ne pas s'arrêter, il me défonce la gueule. Alors là ça devrait être bon. Je vais pouvoir, ouais. Alors. On a eu de la chance. Il se passe quoi là? D'accord, super, on est content. On a ouvert un passage en bas. Bah je descends. Ok, donc c'est bon, j'ai récupéré mes. Tous mes bonhommes. Alors, ok. Je vais d'abord passer ça. Et oui, il y en a plusieurs, sinon c'est pas drôle. Est-ce que je peux la buter à votre avis? Ça m'a l'air un peu compromis cette histoire. Ouais, je m'en fous un peu là des... J'avais absolument pas vu ces pics. Et bah c'est très chaud. Alors, c'est vraiment très chaud. Alors, je sais pas si il est vraiment censé faire comme ça ou pas. Mais sachez que c'est galère. Non, pas tout en bas. Et bah, je risque pas de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il va la détruire? Il va la niquer. Et bah... Oh, surprise. Là, c'est le truc, ok. Donc.
J'étais sûr qu'on allait me rouler dessus. Oh putain. Je vais rien faire avec lui. Oh, j'ai peut-être une idée, mais ça va être très chaud. Déjà que je galère. J'arrive pas. D'accord, bon, déjà si ils me font chier, je peux les péter. C'est pas le but, j'en ai besoin pour monter. Non mais... J'arrive pas, c'est pas possible autre chose. Bon, comme ça c'est fait. C'est pas possible, y'a pas que ça. Je sais pas si... Je sais pas s'il y avait une suite, je sais pas si on était sur la bonne suite ou si on vient de trouver un autre moment. Sûr. Il est grave stylé par contre. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais c'est grave stylé. Oh. Stylé. Sur lui, ok, d'accord, donc ça sert juste à ça. Bon, du coup ça nous a pas énormément avancé, mais bon, on peut monter en level. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est combien de points? J'en ai 4. Clé magnétique, flèche explosive. Magnétisation, c'est quoi? Le magicien côté avait sa puissance magique d'invocation. Si les objets invoqués, ceux-ci peuvent ensuite se fixer à des éléments métalliques. Ouais, je vois pas trop l'utilité. Ça, c'est rigolo. Moi j'ai les trucs parce qu'ils sont rigolos. Bah oui, non, je... Ça commence bien. On va peut-être aller, voilà, se raise un coup. Alors peut-être que j'ai un... Hop. Comment dire? Un truc que j'ai pas vu en bois là-haut. Ce qui m'étonnerait, hein. Alors, juste, si on peut éviter de tomber, je suis en train de me faire prendre par mon propre piège, super quoi. Et elle faut vraiment qu'elle meure. On peut pas la tuer? C'est pas tuable. Je suis sûr que c'est tuable moi. Alors, le but c'est pas que je me retrouve coincé en dessous. Oh là là, j'ai. Mon plan a marché. Quasiment. Quasiment. Ça s'entasse en bas. On va danser tellement de boules en fait que. Oh non, j'en ai besoin. Je peux pas faire ça. Attendez, en fait, ça... Non, c'est en train de marcher. Bon, ça va être un peu long, mais... Genre, ça peut pas se tuer, ça.
Ah, il y a peut-être une limite. Ouais, bah écoutez, hein. Hop. On va commencer. Donc on monte avec l'archère. On ne monte pas avec l'archère. Si, enfin, on monte avec l'archère. Elle, cette plante, ça irait beaucoup mieux sans cette plante. Ils l'ont remplacé genre l'endroit fourbe, quoi. Non, mais c'est pas le but. Voilà. Cette galère. Alors. Alors j'ai un bouclier gel, donc ouais, c'est ce que j'allais dire. Attaque moi gars, ils sont débiles ces gobelins. C'est pas nouveau hein, bien sûr, mais ils sont débiles. Rends-moi mon marteau, j'en ai besoin. Tant que ça explose. Yes. Il est pas mort ? Je pensais. Ah, c'est en bas, faut que je tape là-dedans là. Bah, il est mort ou pas? Là, il est mort. je trouve ce pouvoir cheaté en fait. Genre, dans un cas comme ça. C'est vraiment cheat. Alors. Ok. Quoi? Ah, il y a du caillou en fait à péter. Alors, j'ai une espèce de trappe là à soulever. Alors. J'arrive pas à la soulever. Pourquoi j'arrive pas à soulever ce truc? Putain, il me faut une bombe ou je sais pas, un truc explosif quoi. Un truc explosif. Alors non, ça ne marche pas. J'aurais essayé. Et bah non, ça marche pas non plus. et bah va te faire voir. J'ai une idée. J'ai besoin de mon chevalier. J'ai besoin de tout le monde.
Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire, mais ça a marché, donc je m'en fous. En avant. Et là, à votre avis, est-ce que je dois rester? Ouais, je dois maintenir. Des wyvernes. Allez-vous-en, démon. Oh là 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 là, c'est terrible ce qui m'arrive. Ok, chasse à la wyverne. Je fais comment, moi? C'est méga chaud comme bestiole. Ah, parce que c'est bon, en fait, elles sont là. Du coup, j'ai juste à leur exposer la tronche maintenant. C'est ça. Saleté de wyvern. C'est bon? Je pense que ça devrait être bon. En avant toutes. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré celui-là. Alors là, il y a de la boule de neige qui tombe. Alors apparemment, je sais pas si c'est... Hop. Ok. Il faut vous risquer. Ouais. En effet, l'eau a l'air un peu fraîche. Alors, il y a un baril. Il faut que je libère tout ça, en fait. Alors, même titre que tout à l'heure... J'en jette 4. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y en a une qui va bloquer. Non, elles ont pas. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas évident. En fait, pour que je puisse mettre ça correctement, faudrait déjà que ça arrête de tourner. Je crois que ça a bloqué en dessous. Il y avait un truc qui avait bloqué. Putain, c'est chaud. Alors... Quand je disais que le jeu était trop simple, hein, dans mon avis sur Trine, je rigolais. Hein. Alors, pour le coup, le jeu en soi, l'aventure principale, est plutôt simple. Le DLC, il est chaud, hein, mais tant mieux. Hein. Alors. On a un truc là. Si seulement la roue à eau pouvait être bloquée, avec une barrique ou une boîte ingénieusement placée, par exemple. Oui, bah non. C'est bien ça mon problème. Et bon, il confirme du coup que c'est... il confirme que c'est faisable avec une boîte. Mais vu que je peux pas manipuler sous l'eau, bah c'est très chaud. Et vu que là il y a pas mal de place, on n'y arrivera pas comme ça. Alors... D'accord, je savais pas que je pouvais tirer sous l'eau comme ça. Le bloquer. Ouais.
Et bah c'était pas... Voilà, fallait choper la barrique et tout là, c'était complexe. Ok, on va recommencer ce tir qui était très mauvais. C'est que ça a plusieurs barriques. Et maintenant t'es en mode ok, mais la suite du coup, s'il vous plaît. Alors je vois que là on peut s'accrocher. Alors, super. Oui, c'est vrai, du coup il y a une petite chose à récupérer. Du coup, en fait, je pouvais monter comme ça depuis le début. C'est pas grave. Non, c'est pas une zone accrochable. Oh là là, c'est terrible. Les bonhommes sont pas hyper maniables. Normalement, j'ai cassé un truc. C'est sérieux là? Oh! Alors, peut-être que ça s'accroche à par contre. Ouais. Ok, nickel. Je garde l'archer parce que s'il y a des Wyvern qui arrivent. Oh, je l'ai pas vu. Alors c'est très clairement les rails et les roues les plus chelous que j'ai jamais vu. Ok. Son. Et ben j'ai bien fait de me rattraper je pense. Ok alors. Faire un peu le ménage comme ça. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Non, laissez-le. De... Super. Alors double flèche de glace, je tire plus fort je crois aux flèches de jeu. Aux flèches de glace. Ouais voilà. Alors là il s'agit d'activer le checkpoint, ça tourne ça? Oui ça tourne. Alors ça tourne mais... à contre-sens j'ai l'impression. Ouais ok, il y a une espèce de jauge. Du coup j'ai bien fait de le faire tourner dans ce sens. Clac. Ça fait quoi si je le lâche? Oh, trop stylé. Ok. Toc toc toc. Cette machine fera l'affaire. Elle a des ailes en métal. Elle n'a pas l'air tout à fait opérationnelle. C'est vrai qu'il faut qu'on vole. Pas encore. Tâchons d'arranger ça. Alors. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait mal ça. Est-ce que
Ça s'est recoupé là au bout. Bah ouais. D'accord, il fallait juste appuyer plusieurs fois. Ok, il y a une suite à ça. J'ai du mal à comprendre comment fonctionnent ces crochets. Je déteste hein. Pour le coup. C'est n'importe quoi. Bon, je crois qu'il peut plus. Il est un peu trop. Oula, porte là, c'est moi qui vais y passer. Alors. Alors. Ouais. Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait une deuxième qui était prenable. Genre, je l'avais vu, mais je savais pas que. Ok, et j'imagine que là, je me mets là. Faire un truc comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Mettons le cap sur les légendaires îles suspendues. J'ai toujours rêvé d'y aller. Une machine volante? Ce n'est pas naturel. Qu'est-ce qui nous empêchera de nous écraser? Oh, Margaret,